Bonjour et bienvenue dans la dernière édition de l'année de votre JT sur Télégoël. Nous sommes le vendredi 14 décembre, voici le sommaire de vos infos locales. Le marché de Noël de Bully-les-Mines. Un chantier insertion à Salomine. Le club de la presse remettait des prix aux journalistes du territoire. Notre coup de loupe de la semaine, le Culturathon. Et tout de suite, le marché de Noël de Salomine. C'est dans la cour de la Maison de l'Art et de la Communication que cette année, le Père Noël a posé sa hotte, ce week-end à l'occasion du village de Noël de Salomine. Accompagné de ses lutins et de la fée lumineuse, il pouvait finaliser ses achats, assister aux différents spectacles ou faire un don pour le Téléthon. Un petit avant-goût des fêtes de fin d'année. Allez, Baron ! C'est l'ouverture du marché de Noël, la deuxième édition sur cette place Victor Hugo, marché Noël organisé par l'Union commerciale et la municipalité. Donc c'est ensemble les services techniques, l'Union commerciale qui est organisé ce marché de Noël. Aujourd'hui l'ouverture, demain et dimanche, toute la journée, nous attendons beaucoup de monde. Il y a près de 50 chalets. Avec aussi une patinoire qui est à l'intérieur du chapiteau, une patinoire de 200 mètres carrés, c'est bien ça, Séverine, qui accueillera les enfants, et les grands bien sûr, mais je rappelle que tous les élèves des classes maternelles et primaires de Bully-les-Mines ont eu en cadeau un ticket gratuit pour la patinoire. Donc nous attendons évidemment beaucoup de monde. Je vais peut-être laisser Séverine dire quelques mots sur l'organisation à l'intérieur du chalet. Alors donc cette année on a 38 chalets, donc on est super contents, on a grandi chaque année et bon après on attend bien sûr que la météo nous fasse pas le faux bond comme l'année dernière. Où on a été désolé qu'il a fallu fermer le deuxième jour. Donc, et puis voilà, il y a le Père Noël, il y a des coquilles qui sont offertes aux enfants. Et on a la parade aussi demain vers 18h où il y aura des super-héros et des mascottes le dimanche qui vont pouvoir animer les enfants. Donc on vous attend tous très nombreux, voilà. Déjà bien implantée sur le bassin minier avec notamment une ressourcerie et un restaurant solidaire, l'association Elfouad accompagne aujourd'hui des personnes en insertion professionnelle. Avec l'aide de Maisons et Cités et la municipalité de Salomine, 8 personnes ont rénové 2 logements encadrés par des professionnels du bâtiment pour obtenir au final une qualification. Nous sommes très très heureux d'avoir cet accord avec Maisons et Cités. Nous avions déjà un chantier bâtiment sur Avion et cette opportunité nous a permis de faire un chantier qui est très intéressant pour nos gens en insertion, c'est-à-dire de prendre une maison avec la totalité à refaire. Il faut savoir que nos chantiers bâtiments sont source de sorties positives dans un gros pourcentage. D'autre part, ça permet à la fois des gens jeunes ou des gens âgés qui sont souvent éloignés du travail depuis longtemps de remettre le pied à l'étrier et de regagner leur dignité pour la plupart. Après, on a dû refaire une dalle parce qu'il y avait un dénivelé au niveau de cette maison. Parce que j'étais arrivé à un moment de ma vie où il fallait que tout bascule. Je vais être papa là d'ici peu. J'ai déjà des enfants. J'ai pas envie qu'ils voient ce que on peut reproduire l'image. C'est-à-dire, moi au matin je me lève, je suis fier de me lever parce que mes enfants ils me voient aller travailler. Alors qu'avant, c'était pas le cas, je dormais jusqu'à des 10h, 11h.
c'était pas la vie. Quoi. Notre but justement, c'est de diriger la personne vers ses aspirations et un métier qu'elle a envie d'occuper. Et donc on va même multiplier ces chantiers dès l'année prochaine, avec la rénovation de logements, toujours avec Maisons et Cités, mais également autour de citoyens responsables de l'environnement. Et on va mettre en place un chantier d'insertion autour effectivement du respect de l'environnement sur un fléau qui est sur notre territoire, mais au niveau national de la même façon, c'est les dépôts sauvages. Voilà, donc parallèlement aux dépôts sauvages, d'une part, pour régler cette pollution visuelle, on va mettre en place aussi une recyclerie qui permettra de redonner une seconde vie ou à des matériaux ou à des objets à nos concitoyens. L'hôtel du Louvre-Lens accueillit lundi soir le Club de la presse des Hauts-de-France pour récompenser le travail des journalistes sur le territoire. De plus en plus de jeunes se dirigent vers ce métier avec souvent une passion pour les éditions numériques. Cette 17e édition des Grands Prix du Club de la presse a distingué 4 journalistes sur 990 candidats. Marianne Masse, grand reporter à France 2, Morgane Bagali, Charles-Olivier Bourgeot, reporter pour La Voix du Nord, Dominique Goubel, dessinateur, et le jeune Naoufel El Kawafi que nous avons rencontré. C'est le premier prix que je reçois, j'espère que ce n'est pas le dernier, et d'autant plus fier et honoré d'avoir pu montrer un petit peu ce reportage, l'internat des 5 ans, qui m'a touché moi en tant que jeune journaliste. Et je me suis toujours dit, c'était, pour moi, c'est ce que je disais, c'était une évidence ce métier-là. Mais je me suis dit, c'est un métier inaccessible, c'est un métier qui est fait pour les autres et pas pour moi. Et donc moi, je faisais partie d'une promo de la prépa égalité des chances de l'ESJ Lille, qui est une plateforme qui aide des jeunes étudiants issus de milieux modestes à préparer les concours d'école de journalisme. Ce que j'ai fait, j'ai eu de la chance, j'ai eu une école de journalisme. Je me suis rendu compte que c'était le métier qui me correspondait le plus. Effectivement, c'est pas un métier facile, surtout quand on fait de la télé. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de complications. C'est pas facile tous les jours. Il faut être motivé, il faut en vouloir tout le temps. Mais quand on aime ce qu'on fait, c'est un plaisir de le faire. Et même si c'est difficile, on continue. Eh bien, les Grands Prix du Club de la presse ont été créés il y a 16 ans, en 2002 exactement, pour soutenir à l'époque les jeunes journalistes de moins de 30 ans. C'est du volontariat. On peut toujours, vous-même, moi-même, nous pouvons proposer des articles de confrères ou de consoeurs, mais très généralement, c'est-à-dire quasiment tout le temps, ce sont eux qui envoient leur propre production. Un jury est constitué avec des professionnels du journalisme et nous choisissons sur la base de la qualité d'écriture et sur la base de la qualité de l'information. Moi, ce que j'espère, c'est que ces prix continuent à se développer, parce que 17 éditions, ça peut paraître beaucoup. Moi, je pense qu'il faut continuer à être sur le terrain pour montrer que cette presse existe, elle est vivante. Nous sommes une région très vivante là-dessus et il y a autre chose à faire et à dire que d'essayer de faire passer les journaux pour des choses non crédibles et qui sont passées de mode au profit des réseaux sociaux. La presse a un grand rôle à jouer. Je le disais tout à l'heure, c'est le sang de la démocratie. Et c'est nécessaire, c'est indispensable. Troisième saison pour le Culturathon qui a reçu cette année 120 participants pour 36 heures non-stop de créativité au cœur du musée du Louvre-Lens. Des pitchs pleins d'humour pour présenter les différents projets de cette année. Qui parmi vous n'a jamais subi d'échec et n'a jamais su rebondir? Nous allons ensemble créer une troupe itinérante qui va vous permettre d'acquérir des compétences. Devant des professionnels et experts de l'économie, du numérique et du territoire, 12 projets ont été boostés sur cette troisième édition. 3 prix, 800, 600 et 500 euros pour des projets intéressants comme celui de Léna, Maxime et Thomas qui ont remporté le premier prix avec un lâcher de pigeons artistique et culturel entre le Louvre Paris et le Louvre Lens. Alors notre projet, c'était rendre attrayant un lâcher de pigeons qui partait donc du Louvre à Paris et vers le Louvre à Lens. Ce qu'on a voulu faire par rapport à ce lâcher-là, c'était donc poursuivre un petit peu et aller plus loin dans le raisonnement de ce lâcher-là et associer un espèce de volet culturel, artistique et surtout social
là-dedans pour pouvoir un petit peu renouveler l'usage d'un pigeon qui serait messager, voilà, simplement. Ça a été un challenge parce qu'on a dû, s'associer, se mutualiser, trouver des accords malgré les différences de parcours et trouver du coup des talents à mettre en valeur et en groupe pour réussir à monter un dossier, un PowerPoint. C'est vraiment des choses qui sont toutes simples, enfin qui paraissent toutes simples, mais en fait, au final, quand on est dans la réalité de la chose, si on n'a pas ces compétences-là, il faut aller voir ailleurs, trouver un collègue, se regrouper et faire des choses ensemble pour avancer, quoi. Non, on ne se connaissait pas du tout. D'ailleurs, on vient de trois villes différentes. Ça a été vraiment un vrai challenge. On n'était que trois, alors que la majorité des projets, ils étaient beaucoup plus. On a dormi 30 minutes. On a fait une sieste, en fait, de 30 minutes en 48 heures. Donc là, on est à bout. En tout cas, on invite vraiment tout le monde à participer à cet événement. C'est super riche. On rencontre des gens qui ont fait des études absolument différentes de nous. Et le gros challenge, on dirait pas, mais les deux gros challenges, c'est de comprendre les besoins de l'association de l'entreprise pour laquelle on travaille, de comprendre vraiment de quoi elle a besoin. Et le deuxième gros challenge, c'est de se comprendre entre nous. Parce qu'on n'a pas le même jargon, on n'a pas la même manière d'envisager les choses. Et c'est super intéressant de faire ça. D'accord, donc on est arrivé avec un sujet qui n'était pas simple parce qu'on voulait parler du pigeon et on voulait redonner un côté fun au pigeon. Savoir qu'on avait déjà le projet qui était en route, donc on avait déjà le pigeonnier qui va être implanté dans le Louvre-Lens, on avait déjà des élèves qui travaillaient dessus, mais on voulait savoir comment attirer un peu les jeunes et le public non sensible à la colombophilie pour venir au parc du Louvre-Lens voir ces pigeons qui vont arriver sur le parc au mois d'avril. Je pense qu'ils ont une bonne idée, que franchement il y a une belle matière à exploiter et que ça c'est chouette parce qu'on va pouvoir rajouter une dimension au projet et c'était le but en fait de ce Culturathon. Créer, innover, associer, partager sont des mots qui pourraient qualifier ce Culturathon qu'on reverra certainement se mettre en place pour la quatrième édition dès 2019.